Donc salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc du coup un peu spéciale. Donc du coup on n'est pas, voilà, je viens de faire une vidéo en voix off un petit peu parce que je pouvais pas tourner là où je voulais. Donc du coup bah je vous fais une petite vidéo récap de l'Apple Event, on va voir ça du coup en 5 minutes. On commence directement avec l'iPhone, donc oui Apple a présenté un iPhone, on s'y attendait pas. Donc du coup un iPhone du coup mauve, donc voilà, donc même prix, juste la couleur qui change. Donc disponible à partir en précommande de vendredi, donc le 23 avril, et disponible on pourra le recevoir à partir du 30 avril. Donc c'est tout pour cet iPhone, il n'y a rien de nouveau, hein, juste la couleur qui est ma foi très belle. Ensuite du coup Apple a dévoilé le voile aussi sur l'Apple TV 4K, donc une nouvelle Apple TV, donc avec une nouvelle télécommande qui couvre la plupart des défauts de l'ancienne. Voilà, on a du 4K HDR, on peut calibrer l'écran grâce à l'iPhone, donc ça aussi à voir, ça a l'air très intéressant. Et du coup on a une puce A12, donc ça c'est cool, donc du coup beaucoup plus de puissance graphique, voilà, donc vraiment très bien. Donc voilà, après pas grand chose change, mais c'est surtout la puissance et du coup l'arrivée du 4K HDR. Donc on pourra la précommander à partir du 30 avril et disponible après la mi-mai pour un prix à partir de 199 € en 32 Go et 219 € en 64 Go. Ensuite, Apple du coup a dévoilé aussi les AirTags, ça y est, après des années de rumeurs, enfin ils sont là. Donc l'AirTag c'est quoi? Donc c'est un petit galet rond en fait, qu'on met où on veut et on peut le localiser grâce à l'iPhone. Donc ça fonctionne pas comme les autres trucs qui existaient déjà, où on pouvait localiser qu'à 500 mètres ou quoi. Là on a un petit galet en fait, il va fonctionner grâce à la fonction du réseau Apple. Donc en gros ça veut dire que si vous le perdez à peu près, je sais pas moi, à 10 km de chez vous, et ben si vous mettez en mode perdu, il va émettre un petit signal Bluetooth, et ceux qui ont des iPhones à côté de l'AirTag, ils vont pouvoir vous transmettre la localisation. Donc ça se fait automatiquement, hein, c'est vraiment super, enfin voilà, c'est Apple a beaucoup mis en avant la vie privée, donc du coup ça c'est ça, il n'y a pas de doute, c'est vraiment très très bien, on pourra localiser où on veut. Et pour ceux qui ont un iPhone 11, un iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, vous pourrez savoir où il est précisément grâce à la puce U1 qui est présente dans l'AirTag. Donc cet AirTag fonctionne avec une pile qui a une autonomie de plus d'un an, donc du coup après on faudra changer la pile, c'est vraiment juste on appuie, on tourne, on enlève et puis cela, c'est super simple. Donc voilà, donc à voir, ça commence à 35 € pour un AirTag et il y a un pack de 4 AirTags à 119 €, donc ce qui n'est pas non plus très excessif. Donc à commander à partir du 23 avril, donc vendredi 14 h, est disponible à l'achat, donc pour l'avoir en Apple Store ou quoi, du 30 avril. Ensuite, Apple a dévoilé le Val sur un nouveau Mac, donc un iMac cette fois-ci, donc un iMac M1. Donc ils ont changé le design, donc c'est 24 pouces, avec un écran de 5,4K, une webcam en 1080p, des nouveaux haut-parleurs, et surtout plein plein de couleurs. On a 7 possibles couleurs à l'achat, donc on peut avoir du bleu, on peut avoir du vert, rose, du argent, jaune, du orange et du mauve. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la nouveauté. Donc ça fait un peu penser au Mac G3 qu'on avait avant, avec plein de couleurs, donc là c'est un peu pareil. Donc on a cette fois-ci des bordures blanches et pas noires, donc ça fait un peu débat. Moi personnellement ça fait bizarre au premier vue d'œil, mais après vraiment s'y fait, et je trouve vraiment que ça très joli, ça change de ce qu'on pouvait avoir avant. Donc on a toujours le front en bas, sauf que là il n'y a plus le logo Apple, et en fait Apple nous a expliqué qu'en fait dans le front en bas coloré, on a en fait tout la partie électronique du Mac, donc du coup on a le processeur, enfin du coup on a la puce M1, les ventilateurs, tout ça, donc voilà. Et donc du coup on va prendre un superbe écran de 5,4K et de 24 pouces. Donc du coup il est disponible à partir de 1449 € à commander du 30 avril et disponible du coup après la mi-mai comme l'Apple TV. Et pour finir, Apple a dévoilé le voile sur l'iPad Pro, donc un nouvel iPad tout nouveau, donc en fait nouveau en technologie mais design il est toujours pareil. Cet iPad est disponible en deux tailles, 11 pouces et 12,9 pouces. Donc qu'est-ce qui change? Bah c'est beaucoup le processeur qui change en fait. On a le processeur du Mac, donc l'Apple M1 dans l'iPad, donc du coup des performances vraiment incroyablement, des trucs très fous, parce qu'on sait déjà les Macs sont très puissants avec M1, donc là c'est l'iPad, donc ce sera pareil. Donc du coup pour l'iPad de 12,9 pouces on a aussi un écran mini LED, donc ça aussi ça va beaucoup changer, donc un écran de meilleure qualité qui reprend la technologie de l'écran d'Apple, donc le Pro Display XDR. Donc du coup là on a un écran Liquid Retina XDR et donc en mini LED. Ces deux iPads sont compatibles 5G, donc du coup l'iPad 11 pouces commence à 899 € et l'iPad 12,9 pouces qui aura lui l'écran mini LED commence à 1219 €. Ils sont disponibles du coup en gris sidéral et en argent, ils peuvent monter jusqu'à 2 Tera, et si vous prenez 1 Tera ou 2 Tera, vous aurez 16 Go de RAM sur l'iPad vu que c'est la puce M1. Donc du coup disponible du coup, on peut le commander le 30 avril et disponible du coup après la mi-mai. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui a été présenté, c'était vraiment un très bel événement. Je pense que ça faisait longtemps qu'on a pas vu un événement aussi cool, parce qu'il y a vraiment eu plein de nouveautés. Enfin voilà, on a un nouvel iMac, les AirTags qui sont très intéressants, qui sont pas très chers, hein, 35 € c'est pas excessif. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, dites-moi ce que vous avez pensé. Et puis du coup on se retrouve dans des conditions du coup normales on va dire,
pour la prochaine. Allez, moi je vous dis bonne journée et à la prochaine. C'était Corentin. Allez, salut.